The last horse we will talk about is the newcomer, Morpheus, who is a brother of something particular. Can you explain this pedigree, and especially how did you find this horse? Well, sure, we always knew the horse existed, and once we heard he was for sale, it was an instant yes, subject to inspection. Sure, his pedigree sells itself, being a half-brother to Frankel and Noble Mission, and out of a Danehill mare that performed over 5 furlongs, it was a pretty much an instant, we got to have him. So. It was a long battle to get this horse? No, once we heard he was for sale, we gave him what they asked for and we had him bought. It was that simple. Eh ben effectivement, ils n'ont pas traîné parce qu'en fait, bon, bien sûr, Morpheus, c'est le frère de Frankel. Bon, voilà, et une Noble Mission, et puis tant d'autres. Donc, au niveau de la famille Callaghan, eh bien, ils suivaient ce cheval, d'autant plus que voilà, une mère part d'un huile et puis un cheval de 1000 mètres. Et dès qu'ils ont su que le cheval était à vendre, eh bien, ils ont fait une offre immédiate et ils ont pu recevoir le cheval. For your point of view, we are here in January, so he will have his first mare very soon. Will he have a good record for the first season, do you think? So what people say about him? Oh, people like him. He's hard not to like. He's a fine big horse with great short chin, and everybody wants to like him with his pedigree and his looks. He will cover plenty of mares this year. Bah, a priori, ça devrait bien fonctionner pour lui parce que il y a le pedigree, mais il y a aussi le physique. Donc les gens qui sont venus le voir l'apprécient. C'est un frère d'homme, mais c'est aussi un bon cheval, et puis surtout un grand cheval avec beaucoup d'os, bonne sortie d'encolure. Donc a priori, ça devrait plutôt bien fonctionner pour sa première saison de monte en 2015.